Quoi? C'est vraiment une joie incroyable de pouvoir et présenter sur YouTube un véhicule comme ça et en même temps maintenant d'avoir notre boutique. Fil carte maximale. Je sais pas. Les moins chers du marché. Oula, pardon madame. Écoutez, salut à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. On s'y tient. Ça fait pile 7 jours, je crois, qu'on avait posté la première vidéo de MotorStore entre les V2. Bon, celle-ci, on la postera peut-être demain soir, donc on aura un petit peu de décalage. On essaiera de faire une vidéo par semaine, de s'y tenir par intervalle pour faire déjà des petits points showroom et puis pour présenter des voitures un petit peu différentes à chaque fois de ce qu'on a, puisqu'on varie de plus en plus et puis on a un peu plus de temps en ce moment. On est plus efficace, on est rodé dans nos méthodes de travail, donc du coup on intègre YouTube à notre méthodologie, parce que ça nous fait plaisir de créer du contenu, c'est toujours sympa. Donc du coup, depuis la dernière fois, la Golf 8R... Qu'est-ce qui a changé? La Golf 8R est là, mais on a une visite très bientôt, elle devrait partir assez sous peu. On a rentré Clio 4RS. Cup. C'est une Cup, ouais. C'est une Cup, 115 000 km, super saine. GT Perf. Ligne GT Performance, elle a toutes les petites maladies, enfin pas les petites maladies, mais elle a comme l'équivalent de charge pipe sur la 55 qui a été corrigée. Elle a une dump aussi qui permet d'extraire l'air en dehors de la boîte à air, donc il fait un petit bruit de dump assez sympa. Voilà, tout ce qu'il faut, voilà, ça reste des plus petits budgets, mais justement qui sont adorés. Ouais, qu'est-ce que ça vaut ça sur le marché? 17 500 €. Full Renault, rarement vu un suivi comme ça, tout a été fait chez Renault, la moindre chose. Et enfin voilà, la voiture est vraiment quali, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de la rentrer. Évidemment, Mégane 4RS, qui est l'objet de cette vidéo, orange tonique. Le RS6 est peut-être plus visible cette fois, puisque bah, y a un peu plus de luminosité et un plus grand angle. Je pense que ça restera pas non plus super longtemps. Voilà, produit de qualité, on a fait les rappels chez Audi, on a fait les tamis de turbo, donc elle est restée bien une semaine. Ça leur a donné pas mal de fil à retordre d'ailleurs, parce qu'ils ont dû faire un grand réglage de toutes les caméras. Ouais, vu qu'ils ont tombé les pare-chocs. La vision nocturne aussi. Je sais pas si tu le sais, moi je sais pas en fait, mais c'est cette petite caméra, la vision nocturne, il me semble. Qui est dans le logo. Je veux pas dire de bêtises. Je pense, hein. Mais il me bah semble. Si, parce que la vue que t'as depuis le cockpit, ouais, elle est plus basse que. Celle-ci, qui est un gadget plutôt sympa en vrai. Peut-être plus pour quand tu roules en campagne la nuit, pour les animaux ou les choses comme ça, je pense que ça peut être utile. Et notre beau GLE, d'ailleurs, on a une visite. Ouais, là, à 19h. Dessus, voilà, à 19h. Donc un client qui est intéressé par les deux, qui verra. Bon, donc voilà, 2 V8. 2 V8. 2 biturbo. 4 turbos. 4 turbos, donc turbos, GLE de 1200 chevaux à E2. GLE 585 chevaux. 585 chevaux. 560, et 560. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que les VU 8 turbo dans les C63 font moins de chevaux que ça. 110. 510, bah parce que le gabarit est plus petit. Ouais, oui, forcément, en termes de coque, que ça fasse des équivalents, c'est un petit peu ça. Mégane 4RS, l'objet de la vidéo. Orange tonique, qui est la belle œuvre de Tom, qui est revenu avec il y a quelques jours. Donc on a mis en ligne hier, qui normalement est déjà vendu. Voilà, on a déjà un contact qui d'ailleurs n'a jamais eu de Renault Sport, donc ce sera sa première. Ouais, nous on a eu Clio 4RS Trophy au tout début. Ouais, Clio 4RS Trophy. Et puis on a fait une petite pause, on a eu notre période Golf, on a eu notre période BM. Là c'est un peu la période de tout. C'est plaisant en vrai d'avoir plein de modèles différents. Et là du coup Mégane 4RS, orange tonique, les points forts de la config, toit ouvrant, alors point fort ou pas ça reste une option qui est relativement esthétique je trouve. On a les belles jambes Jerez évidemment de la config. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment les sièges Recaro. Viens voir ça. Qui fait clairement le charme hein, de la voiture. Hein. Sans les sièges Recaro, c'est sûr que la Mégane 4RS est. Il est un petit peu moins sexy, on va dire. Le système Bose, Apple CarPlay, affichage tête haute aussi. De l'extérieur, ça fait un. Comme tu sais, un petit. Comme un avion de chasse. Oh, on le voit de l'extérieur. Ouais, on le voit bien. C'est pas tous les affichages tête haute qu'on voit bien. C'est vrai que je trouve que ça peut être un détail, mais tu fais une belle dégaine. Ouais, c'est pas une projection dans le pare-brise comme la majorité des Allemandes. Donc, du coup, bon, on écoutera après une belle sonorité aussi. Ah, parce que il y a les valves actives en fonction du mode aussi.
on l'active via le fort contrôle évidemment. Donc du coup il m'a rebriefé parce qu'il a ramené la voiture, il a collé un peu mieux que moi. Fort contrôle qui se désactive en mode normal à partir de 60 km/h et en mode sport à partir de 80 km/h. Autant vous dire quand vous êtes sur autoroute, il n'y a plus de fort contrôle. Voilà, le gros point fort c'est pour les virages à basse allure. De toute façon ça se sent de suite. Hein. Et les manœuvres, en vrai pour les manœuvres c'est incroyable. Pour les manœuvres même ça se sent de suite, même dans des petites courbes, dans des ronds-points, de suite quand on conduit la voiture par rapport à d'autres véhicules que nous on a pu conduire, ça se sent de suite qu'elle est très, comment dire, qu'elle est très vive, qu'elle est très agile. Donc c'est vraiment... Et alors là on n'a pas de soleil, mais alors le orange tonique c'est une couleur qui va aller aussi cher au catalogue que le jaune Sirius. Et on comprend pourquoi, honnêtement la couleur est dingue. Les éclairages d'ambiance aussi. Et puis au final en l'utilisant bah là, de fil en aiguille, en allant au CT un petit peu partout, on a vu que ça pouvait être autant un bon daily qu'une pistarde assez sévère. Assez sérieuse. Ouais, parce que les baquets restent tout de même confortables. Et surtout, ils peuvent se remanier en hauteur, ce qui n'est pas le cas de tous les baquets de toutes les voitures. Et parfois, ça peut être vraiment handicapant, typiquement sur la Yaris GR qu'on avait ramené pour Bastien. Ils sont pas réglables en hauteur, ils sont pas réglables en hauteur. Il faut monter des kits de rails spéciaux pour pouvoir descendre. En plus, c'est semi-baquet dans la GR, c'est pas oui, complètement... Oui, c'est pas des baquets, c'est des semi-baquets. C'est juste pour dire que parfois, sur certains modèles sport, voilà. Caméra recul, évidemment. Est-ce qu'elle est chaude? Oui, elle est un petit peu chaude, on peut un petit peu accélérer avec. Donc là, le régime moteur augmente et les valves s'ouvrent un petit peu. Ah, c'est sympa hein, pour une caisse de 2019 d'origine. Ça fait un beau son très rock et au final on se rend compte que ce bruit là est partagé par pas mal de véhicules un petit peu pistard comme la i30N. Bon là il y a un petit peu moins parce que le 3 cylindres c'est vrai qu'il d'origine fait un petit peu moins de bruit. La Fiesta ST aussi, la Ford Focus ST, tous ces modèles là ont une belle sonorité je trouve d'origine, un peu, comment dire, un peu caisson de basse qui fait très rallye. Alors après il y a toujours à l'intérieur le petit sound effect pour rappeler quand même le son de la voiture qui a un peu, simulé, mais franchement les sensations sont là quoi, c'est le plus important. Petite anecdote qui t'avait moins plu mais que moi je trouve ouf, c'est bah forcément chez Renault Sport c'est les palettes qui sont dissociées du volant, donc on aime ou on n'aime pas, mais donc du coup voilà les palettes sont sur la console de direction et généralement je dis pas que c'est préféré mais c'est vrai que quand on est dans des endroits sinueux, si vous voulez, ça nous permet de jamais perdre le fil des palettes. C'est bien, après le problème c'est que la majorité des voitures les ont sur le volant, du coup maintenant j'ai pris l'habitude d'aller la chercher là où elle est. Alors la majorité des véhicules du groupe Vague, BMW, Mercedes. En revanche, tout ce qui est italienne, c'est toujours, tout ce qui est Ferrari, Maserati, c'est toujours dissocié du volant. Et bon du coup Renault Sport aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu partagé en vrai, il y en a autant qui l'ont qu'il y en a qui l'ont pas. On l'avait mise parce qu'elle est peut-être plus dispo, mais elle est toujours en vente pour l'instant, elle sera peut-être bientôt réservée, à 37 000 euros. Et une Trophy en dessous de 40 000 euros avec toutes ses options, donc notamment les baquets, en dessous de 40 000 euros c'est relativement rare, je sais pas si on était pas les moins chers du marché. À ce moment-là avec cette config peut-être. Ouais. À ce moment-là on était très bien placé, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se vend très rapidement je pense. Globalement je crois qu'on a fait le tour, on va pas, voilà, pour tout ce qui est caractéristiques détaillées on vous laissera regarder. Non, après on fera quelques plans roulants où on montrera voilà. Même un peu le logiciel peut-être à l'intérieur rapidement. Le but c'est que ce soit aussi joli à regarder donc, voilà. Moi ce qui m'avait étonné c'est qu'ils aient bien fini aussi les places arrière avec de l'Alcantara. Oui c'est vrai que c'est vraiment tout Alcantara quoi. C'est pas... Peut-être pas le... Ah si on le voit. Non c'est vraiment tout Alcantara quoi. Les menus. Bon on va montrer rapidement les menus, le compteur même. Parce que le compteur il a plusieurs affichages. Alors hop. Donc déjà l'Apple CarPlay mais on n'a pas de câble. On n'a pas de câble là, on n'a pas pris de câble pour la vidéo. Non ouais. Au niveau des menus, enfin des modes tu veux dire? Ouais les différents modes, enfin. Donc la touche des modes elle est ici. La petite, ouais, ici. La petite fleur ou étoile. Ouh, et RS Drive aussi. Donc du coup on a neutral, confort elle est relativement molle hein. Du coup on a tout qui se met en vert, notamment regardez ici les éclairages d'ambiance. Éclairage d'ambiance, le compteur, également qui se met en couleur, donc ici aussi. Neutral on est en bleu, sport on est en bleu aussi, un bleu un peu plus prononcé, et race on est en rouge. Et du coup les compteurs changent, là vous voyez entre race et sport. Alors après pareil, moi je l'avais fait quand je l'ai utilisé, c'est que tu peux changer, à chaque mode tu peux attribuer un compteur différent. Ok, d'accord. Je l'avais fait en pour qu'il soit
Ouais, pour la visite. Ouais, je vais en profiter pour... Pour écouter le bruit. Le Douvet 8. Ah, il fait peur, lui. Il rigole pas. Ça chante. Donc 63S. Ça ou la Mégane? Tout le monde impressionné. Ça ou la Mégane? Mégane dimanche, j'ai le lundi, vendredi. Samedi RS6. Pas mal. Elle est vraiment belle. Magnifique. Allez, bonsoir. C'est parti? C'est parti. C'est parti. On va essayer un nouveau plan. Commandes. En vrai, c'est pas mal là. Rétroviseur, c'est vrai? Ouais. C'est mieux que dans les vidéos. On va se mettre en neutral. On va même se mettre en confort. Tel un retraité aisé. Il fait tomber son portefeuille? Rattrape-le, rattrape-le. On va le ramasser. Il était sur la Mini? Ben ouais. Ah ben rattrape-le. Elle a dû mettre de l'essence et... Ben rattrape-le, elle est montée en haut, hein. Je vais pas jusqu'à où elle est, elle a cru qu'on voulait. Ah non mais elle est là, je pense qu'on va rattraper d'ici. Elle est allée où? Ben là, tout droit là. Ben oui, je sais, mais... Un petit tour, histoire qu'on voit ce que ça donne de l'extérieur. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Ça chante bien. Ouais. C'est... Puis alors là, je sais pas si de l'extérieur on a l'impression que je passe vite, mais en vrai moi dans la voiture. Ouais, t'as l'impression de pas avancer, enfin ouais, de pas avancer. C'est facile à conduire, tu te sens en sécurité, c'est. Puis c'est pas contraignant à conduire, ça reste un peu dans l'esprit Renault, c'est souple. C'est bien à conduire. C'est vraiment bien. Elle est vraiment belle. Franchement c'est une belle découverte hein. Parce qu'on se moque. C'est vrai qu'avec toutes nos Allemandes, alors c'est pas qu'on se moquait, mais il y a un peu une petite guéguerre entre le Bugatti et le Renault Sport, etc. Mais franchement, 50-50. Franchement, elle fait pas aussi bien ce que font certaines Allemandes, mais les Allemandes ne font pas du tout aussi bien ce que fait Mercedes. Et même la garde au sol, vu qu'elle est assez haute, du coup tu te poses pas la question, c'est ouais, bas, de ça c'est passe, pas bas, ça là, passe vois, pas. Je fais des demi-tours dans mais les... je trouve esthétiquement par contre c'est la hauteur parfaite. Hein. Ouais. Même là tu vois quand tu fais des petits demi-tours là sur les routes de campagne comme ça, même si tu fais doucement, t'es pas là à te demander. Bon alors rentre au bercail. On rentre au bercail. Vous voyez plus j'ai le la prochaine fois, ça a été concluant. Ah. Sinon ça sera pour quelqu'un d'autre. Allez. Faut qu'on s'arrête tous par pour rendre le portefeuille de la dame. Oui, parce que sinon la pauvre, j'espère qu'elle aura tilté parce qu'à tout moment en fait elle moi je pense qu'elle a rien capté. Quand tu perds quelque chose, tu te dis c'est où la dernière fois que j'ai eu mon portefeuille. Elle va s'en rendre compte chez elle. Ouais, mais elle va dire station essence et du coup elle va se dire s'il y a quelqu'un de bienveillant, il l'aura déposé au Spar. Et vu qu'on est bienveillant, elle le trouvera au Spar. Voilà. Allez, on a avant. Oh, la route est fermée hein. Évidemment, la route est fermée, non, bon, on est à 80. On a strictement rien à se reprocher. Qu'on nous croit ou pas, on est jeune, on a des voitures de sport, mais on fait ultra attention aux voitures et on fait pas du tout n'importe quoi. On est
c'est vraiment de... Voilà, on les teste dans la limite du raisonnable. Voilà, c'est une Mégane RS, donc c'est pour ça qu'on se permet un peu de faire ça. Mais typiquement, une M3 ou une M4, on ne serait pas amusé à passer un peu vite et tout. On prend aucun risque. On connaît les dangers. On connaît les dangers. Ça n'en vaut pas la chandelle, surtout pour nous. C'est, pas, c'est les nôtres sans être les nôtres, puisqu'elles sont destinées à quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas se permettre, à chaque fois qu'on conduit une voiture, de se mettre en danger, de mettre en péril. On a construit depuis tout ce temps. Là, ça va être immersif, hein, parce que je bouge autant que la voiture. Je vais garer à l'écart, parce que... Le coup de portière, tu connais. Hein. Fuyons. Le fameux... À tout moment, elle va nous dire d'aller le poser aux objets trouvés à la mairie. Non, bon, là, au son et le prénom de la dame, et... on les connaît bien au Spar, c'est nos amis. On leur fait du chiffre aussi. Ouais. Essence, panier repas, deux fois par jour, Red Bull. Vous savez si la... C'est juste parce qu'il y a une dame qui a oublié son portefeuille à la... Son papier de boisson au passage. Ouais. Fournisseur officiel Motorstar. Bonsoir. Là, il y a de la taurine, de la caféine, du sucre. Enfin, du sucre de toute façon partout. Ouais, du coup, on prend de la taurine. Et moi, je vais prendre de l'eau. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Pas mal ça. Et écoutez, dès qu'on aura l'occasion de leur faire une vidéo, on fera une vidéo. Ça nous plaît bien. Il s'est passé un petit événement sympa dans cette vidéo. On a fait une bonne action de la journée. Et puis voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo.